Magen, allez, Iden les Tusra aujourd'hui. L'Irfouat, Rayarivka, Batlea, Sarah, Bat, Nechama, Tranalea, Bat, Gitel, Devra, Ptor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Psachim, Perigvav, Mishnahé. A Pesach, Sheshrato, Shelolishmo, Beshabbat, Chayav, Alav, Chatat. Ushar, Kolazvachim, Sheshratan, Neshem Pesach. Yemenan Reouim, Chayav. Veim Reouin, Hen. Rabbi Eliezer Mechaev Khatat, Verabi Yehoshua Poter. Je m'arrête là pour le moment, parce que lire sans comprendre strictement rien, on va rentrer dans un dialogue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est un peu dommage. On va d'abord introduire le sujet, qui est relativement. On a déjà vu le même type de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua spécifiquement, dans Masechet Shabbat, dans un tout autre domaine, mais c'est exactement le même principe. À savoir. Faire la shrita d'un animal pendant Shabbat, c'est strictement interdit en temps normal. Ouais. Il y a Shochet, c'est une des 39 travaux de Shabbat, on n'a pas le droit d'abattre un animal pour le manger. Interdit. La shrita, ça sourd. Maintenant, la Torah nous a permis, malgré tout, pour le Korban Pessah, de faire la shrita pendant Shabbat. Donc, la Torah a levé l'interdit de Shabbat, spécifiquement lorsque tu fais un Korban Pessah. Qu'est-ce qui se passe si je me trompe et au lieu de faire le Korban Pessah, je fais autre chose? Et il y a deux situations. Il y a soit je prends le Korban Pessah et je le fais en guise d'un autre Korban, soit je prends un autre Korban et je le fais en guise de Korban Pessah. Est-ce que, donc, en théorie, je suis sorti du cadre de la permission du Shabbat, tu sors du cadre de la permission du Shabbat, tu n'as plus le droit de transgresser Shabbat, donc tu as fait la shrita d'un animal, ben tu seras chayav, alors... T'es pas bémézide, tu seras chayav, korban khatat, t'as transgressé Shabbat, beshogeg. Ouais, si j'égorge un animal sans faire exprès pendant Shabbat, j'ai oublié que c'est Shabbat, j'ai fait la shrita, je suis chayav. Là, je savais que c'est Shabbat, je savais que j'avais une mitzvah de faire le korban pessah, mais quoi? J'ai pas vérifié que l'animal que j'avais devant moi, c'était bien mon korban pessah. Je me suis trompé, j'ai pris un shlamim de quelque chose d'autre, un korban tragiga que je devais pas apporter en l'occurrence. Je l'ai pris, et je l'ai fait la shrita. T'es sorti du cadre de la permission de la Torah, en théorie tu transgresses un interdit de Shabbat. Est-ce que tu es Chayav, Korban, Khatat ou pas? D'accord? C'est le sujet essentiel de la Mishnah. Pour le moment, il y a deux axiomes clairs et un cas au milieu qui fait l'objet d'une discussion. Et je commence par traduire la Mishnah. A Pesach Sheshrato el Shelo Lishmo Beshabbat, Chayav ala Khatat. T'as pris ton Korban Pesach et tu l'as fait la Shrita en guise d'autre chose, eh bien tu es Chayav, Korban, Khatat. D'accord? C'est-à-dire, la Torah t'a dit, tu prends donc ton petit mouton, tu le fais l'échem Pessah, t'as le droit de transgresser Shabbat. Tu le fais en guise d'autre chose, qu'est-ce que tu as fait? À quoi ça sert? Pourquoi t'as fait ça? Tu ne devais pas te tromper, tu ne devais pas faire une korban. Là, t'es réprochable, et tu dois apporter un korban khatat en guise, chayav alav khatat, tu dois apporter un korban khatat en guise d'expiation, t'as transgressé Shabbat, beshogeg, on va pas le condamner à mort, c'est pas... Mais en tout cas, il a eu un petit moment où il a perdu un petit peu la tête. Il s'est oublié. Maintenant, les autres korbanot qu'il a fait la shrita en guise de korban pesach. Soit, il y avait là-bas un korban shlamim, par exemple, qui traînait dans la hazara, et puis il l'a vu, il le fait la shrita, il a dit, ah, un korban pesach, il va faire la shrita, il a fait la shrita du korban pesach. Est-ce que, cette fois-ci-là, il a l'intention de faire la mitzvah de Korban Pessah? Mais il s'est trompé. Il ne fallait pas sauter sur le premier animal venu et lui faire la shrita, 2 minutes, calme-toi, renseigne-toi, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, est-ce que... Ouais, on parle toujours d'un cas, il faut bien réaliser. On parle d'un cas où on peut éclaircir. Ouais. Avec un brin de conscience et de responsabilité, on demande, est-ce que c'est le bon animal? En 2 minutes, on aurait la réponse. Maintenant, quoi? Dans le feu de l'action, il s'est mis à faire la shrita. Ou Charles Kolazvachim Shishratan et Hashem Pesach. Et les autres korbanot qu'il a fait la shrita en guise de korban Pesach. Alors il y a deux cas que la Mishnah propose. Imenan Reouin Chayav. S'ils ne sont pas aptes, il sera condamnable. Soit, si c'est des animaux qui ne sont pas aptes à être un korban Pesach, parce qu'on sait bien que le korban Pesach c'est Seksavim ou Seizim. C'est un mouton qui peut, enfin un mouton, un petit agneau, qui est de la famille des moutons ou qui est de la famille des chèvres. Il doit avoir jusqu'à 1 an. Mâle, pas femelle, mais jusqu'à 1 an donc, et le faire shrita. Donc, si maintenant tu as pris devant toi, tu as pris une chèvre, une femelle, pire que ça, un taureau, une vache, que dis-moi, t'apportes une vache en guise de korban pessah, qu'est-ce qu'il te prend? Là, ouais, il fallait vraiment
n'importe qui aurait fait attention, devait faire attention. C'est pas une erreur qu'on peut excuser, quelque part, si je peux dire. Donc, Shar Kol Azvachim Shishratan et Hashem Pesach, les autres korbanot qu'il a fait en guise de korban Pesach. Imenan Reuin, s'ils ne sont pas aptes à être un korban Pesach, ils sont exclus, c'est une autre espèce. Alors, ça, on va lui dire, Chayav, il est Chayav d'un korban. Fallait boire un peu plus de café le matin et être un peu plus réveillé, quoi. D'accord? Par contre, Ve'im Reuin, par contre, si c'est un animal qui est apte à être un korban Pesach, en théorie, parce que c'est un petit mouton mâle qui a pas plus que un an. Ou un agneau. Seulement, malheureusement, c'est un korban shlamim. Quelqu'un, il est venu avec un shlamim dans la Hazara, il a cru qu'aujourd'hui, il allait faire des korban tragigar. On lui a dit, mais non, Shabbat, on fait pas de korban shlamim. Du coup, l'animal, il est resté un petit peu de côté, et lui, il a vu, il a dit, ah, un korban Pessah, le parti vers la shrita. Donc là, il se trompe plus dans l'espèce, et il égorge en guise de korban Pessah. Et c'est là, justement, où ça va faire l'objet d'une discussion. D'abord, on traduit, et puis après, on explique un petit peu mieux. Rabbi Eliezer Michaev Ratat, Rabbi Eliezer dit, ben écoute, mon ami, fallait pas laisser emporter, dans le feu de l'action, là, te calmer, te renseigner, poser des questions, et tu aurais facilement pu réaliser l'erreur, donc tu es réprochable, tu devras apporter un korban khatat d'expiation, et Rabbi Yoshua poter, et Rabbi Yoshua dispense. Parce que Rabbi Yoshua, il pense, là, je vous pose le principe maintenant, après on va rentrer dans la... Après, la Michael va continuer sur un long dialogue, chacun va essayer de prouver à sa manière. Mais pour le moment, d'abord, on explique un petit peu mieux. Rabbi Yoshua, il a une règle qui me dit « Toe bidvar mitzvah »« Ve ose mitzvah » Pas tour. Soit, quelqu'un qui se « Toe bidvar mitzvah » Il n'est pas en train de transgresser Shabbat pour son plaisir. Il transgresse Shabbat parce que la Torah lui a demandé de transgresser Shabbat. Et quand, lorsqu'il se trompe, il accomplit quand même une mitzvah, même si c'est une mitzvah qu'il ne devait pas faire, en l'occurrence, ici, tu ne dois pas apporter un korban shlamim aujourd'hui. Mais malgré tout, il est quand même en train de faire une action de mitzvah. Donc là, il a les deux facteurs qui font que on va lui excuser le fait qu'il ait transgressé le Shabbat. Il ne sera pas passible de korban khatat, parce que, quelque part, c'est normal. Si je demande, comme on dit en bon français, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et puis, si je te demande de transgresser Shabbat en faisant la shrita des moutons pour faire pour la mitzvah, et puis tu as vu un autre objet de mitzvah, et puis tu t'es un petit peu laissé étourdir, on ne peut pas reprocher, réclamer, demander à quelqu'un d'être constamment conscient et soucieux et poser des questions sans arrêt. Est-ce que oui, est-ce que non, laisse-toi un petit peu aller. D'accord, c'est un peu le principe de te bidvant mitzvah, va sa mitzvah, pas tour. C'est ce qu'il pense Rabbi Yoshua. Une petite parenthèse, on avait vu dans Maseret Shabbat la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir là-bas, hein, c'était par rapport au Brit Milah, dans le Perek Rabbi Eliezer des Ménages, je crois que Perek 8 ou peut-être 9 de Shabbat, où là-bas il y a une marloquette entre. Une marloquette, deux d'abord, j'ai le droit de faire le Brit Milah d'un enfant qui est né à son 8e jour uniquement. Ça veut dire, s'il est né le Shabbat, donc le 8e jour, ça va tomber Shabbat, je pourrais transgresser Shabbat. Mais s'il est né avant Shabbat, il est né un jeudi, le Brit Mila pour lui, le 8e jour, c'est le jeudi d'après. On a, pour X ou Y raison, il était malade, peu importe, on n'a pas fait le Brit Mila. Et le Shabbat, on lui fait le Brit Mila, on est chayav. Lui, t'avais pas, la Torah l'a permis de repousser le Shabbat que lorsqu'on fait une Mila Bismana, le Brit Mila à la bonne date. Maintenant, imaginez que la personne avait devant lui deux enfants. Un qui devait faire le Brit Mila pendant Shabbat, et l'autre qui devait faire depuis avant Shabbat, mais il n'a pas fait pour X ou Y raison. Et maintenant, il a les deux devant lui, et il se trompe, au lieu de faire le Brit Mila à l'un, il fait le Brit Mila à l'autre. On avait la même marloquette exactement. Rabbi Yoshua, il nous disait là-bas, « Toi, bidvar mitzvah, ve asa mitzvah patour. » T'as bel droit de transgresser Shabbat pour faire le Brit Mila sur lui. Et lui, il avait aussi le devoir de faire le Brit Mila. Et t'as été un petit peu étourdi, et tu as pris l'autre, et tu as fait le Brit Mila lui. « Toi, bidvar mitzvah, ve ose mitzvah. » Pas tout. Ça, il y avait Rabbi Yoshua qui dispensait, et Rabbi Eliezer qui disait non, malgré tout, tu es chayav, parce que finalement, avec un petit peu plus d'éveil, quoi, tu ne te serais pas tombé, tu aurais demandé est-ce que c'est bien le petit enfant, tu aurais regardé, est-ce que. D'accord? Maintenant, on laisse l'histoire de Shabbat de côté et on revient dans notre Mishnah. On va entrer maintenant dans un dialogue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chacun va le prouver à sa manière. Rabbi Eliezer commence par prouver par déduction de par a fortiori. Amar Rabbi Eliezer. Il a dit à Rabbi Eliezer, Maïma Pesach, Shehu Mutar Lishmo, Kshishinat Shemo Chayav, Zvachim Shehen Asurin Lishman, Kshishinat Shman, Enodin Sheye Chayav.
Regarde le Corban Pessah que la Torah m'a dit. Transgresse, fais-lui la shrita. Malgré tout, si dans un moment d'étourdissement, tu t'es dit que tu étais en train de faire un shlamim, eh ben tu seras chayav. C'était le premier axiome de la Mishnah. Donc là, tu as un objet que tu as le droit de transgresser Shabbat avec lui. Et donc tu le prends là, tu es en pleine émotion, tu vas faire la shrita, puis tu as eu un petit moment d'étourdissement, et tu l'as fait en guise d'autre chose. Et malgré tout, je te rends chayav. Alors que j'avais le droit de transgresser le Shabbat pour lui. Alors un autre animal que j'avais aucune permission de transgresser le Shabbat pour lui. Je ne devais même pas l'approcher, l'autre animal. Qu'est-ce que tu prends n'importe quel animal? Tu t'approches, tu veux lui faire la shrita. Alors n'est-ce pas plus forte raison que à lui aussi, je vais le rendre chayav? Si à lui tu le rends chayav, à plus forte raison que lui, tu peux le rendre, tu dois le rendre chayav. Si lui qui a un objet de mitzvah, tu es chayav, l'autre qui n'est même pas un objet de mitzvah, sur lequel tu as le droit de transgresser le Shabbat, à plus forte raison que tu seras chayav. D'accord? Je refais ça dans les mots. Maï m'a pesach shu mutar lishmo. Il y a une certaine logique. Chacun il a une logique. Le problème, c'est que chacun il prend. Il regarde la scène à moitié. C'est un peu délicat, quoi, à interpréter. Maï m'a pesach shu mutar lishmo. Arrête, le pesach qui est mutar lishmo, tu as le droit de le faire lorsque tu fais en son nom, comme il faut. Malgré tout, kshishinat shemo chayav. Lorsqu'il a changé son nom, il a fait en guise d'autre chose. Eh bien, chayav, tu le condamnes. Zvachim, les autres korbanot shen asuri nishman. Ils sont interdits à le faire. En leur nom. D'accord? Donc tu ne dois pas l'approcher le Korban Shlamim, le Korban Ola, le Korban Khatat, le Korban tout ce que tu veux. Tu ne dois pas les approcher maintenant aujourd'hui. Alors même Kshishinachman, même si tu as changé leur nom, Enodin Sheye Chayav, n'est-ce pas plus forte raison qu'il faut le rendre Chayav sur la transgression? C'est une transgression où tu devais rêver plus être éveillé, faire attention de ne pas te tromper. Amalo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua va lui rétorquer quelque chose de très logique, que vous avez sûrement pensé tout seul, l'eau. Imam Tabe Pessah Shishina ou Lidvar Asur. Tomar Bisvachim Shishinan Lidvar Amoutar. Attends, 2 minutes. Un petit peu de calme. Lorsque je te demande de faire un Korban Pessah et que tu prends n'importe quoi en guise de Korban Pessah, alors tu t'es trompé dans le cadre de la mitzvah de Korban Pessah. Tu n'as pas fait attention à ce que c'est ce mouton ou l'autre. Mais lorsque tu vas prendre un Korban Pessah, tu vas le faire en guise de Shlamim, là, dis-moi, pour faire en guise de Shlamim, tu dois faire fonctionner ta tête. Tu as fait fonctionner ta tête très mal cette fois-ci. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir faire un shlamim aujourd'hui alors que c'est Shabbat? D'accord? La Rabbi Yoshua vient tout simplement nous dire finalement, là c'est normal qu'il se trompe, là c'est pas normal qu'il se trompe. Ok? C'est pas parce que c'est, en deux mots, c'est pas parce que c'est Pessah et qu'il tombe pendant Shabbat que maintenant tu vas te mettre à fumer une cigarette parce que tu as besoin de prendre ton calme avant de faire un Korban Pessah. C'est quel rapport? Dans le cadre de ce qu'on t'a permis. Le cadre élémentaire de ce qu'on t'a dit de faire, c'est que tu prends un animal pour le faire en guise de Korban Pessah. Pas que tu prennes n'importe quoi, pas que tu prennes un Korban Pessah et que tu vas le faire en guise de shlamim. Pourquoi tu te mets à penser à un shlamim aujourd'hui? Par contre, lorsque tu es dans le feu de l'action et que tu te mets à faire des Korban Pessah, même si tu prends quelque chose d'autre, tu as au moins l'avantage que tu étais trompé, que tu as cru que tu faisais un Korban Pessah. Au moment où tu fais ton action, tu fais une action qui est censée être permise. D'accord? Fin du premier round. Maintenant, Rabbi Eliezer revient à la charge. Amar le Rabbi Eliezer, le rétorqué Rabbi Eliezer, et Moritz Sebour Yochichu, Shehen Mutarin Nishman, Vachochet Nishman Chayav. Amar le Rabbi Yoshua, lo, imamarta, be Moritz Sebour, Shechelem Kitzba. Tomar be Pessah, Shehen lo Kitzba. Là, on explique un petit peu mieux maintenant. Il y a, à part ça, un autre domaine de Halacha, d'autres korbanot qui repoussent le Shabbat. En l'occurrence, pas beaucoup d'autres, mais le korban Tamid. Ou bien même tous les korbanot qu'on peut apporter à n'importe quelle fête. Il y a des Moussafim. On apportait un korban public, cette fois-ci, c'est plus comme au korban Pessah, où chacun y allait avec son korban. Il y avait un korban pour tout le peuple d'Israël. Deux, un korban tamid le matin, un korban tamid le soir, les kvasim du Shabbat, les par, ve'ahil, ve'shiva kvasim, ve'chatat, qu'on apporte à n'importe quelle fête, ou des fois un peu plus, des fois un peu moins, d'accord? Ça, c'est des korbanot aussi qu'il faut, qui repoussent le Shabbat. Il y a maintenant une halakha, que si toutefois, on a déjà fait la shrita, du Korban Tamid aujourd'hui. Il y a un Kohen qui a été dénommé pour le Korban Tamid. Et un autre Kohen dans la Hazara qui a vu le Tamid et qui a fait la Shri. Il a vu un autre Korban, il a dit « Ah, c'est le Tamid, allez, je fais la Shrita du Korban Tamid. » Là, quoi qu'il arrive, même si ce Korban-là, c'était un Ola ou ce que vous voulez, il sera Chayav sur sa transgression sur le korban, la Shrita du Korban Tamid qu'il a fait. Parce que Korban Tamid, par exemple, de l'après-midi, c'est un seul, c'est pas deux. Et on l'a déjà fait l'autre. C'est lui le Korban Tamid et toi, qu'est-ce que tu vois un animal, tu te mets à l'égorger, renseigne-toi, demande, pose des questions. On n'est pas, c'est pas le chou qui dit, c'est tout ordonné, tout est clair.
Bon, il y a un korban tamid qu'on fait, et puis il ne fallait pas faire un autre korban à la place du korban tamid. Regardez que malgré tout, ce pauvre Cohen, dans le feu de l'émotion, il a aussi pris un korban qui était apte à être un tamid, et qui était lui-même une mitzvah. Oui? Il est tout mitzvah, mitzvah, c'est mitzvah, et là-bas, c'est admis par presque tout le monde qu'il est korban chayav. On va voir le dernier avis de la Mishnah, là on le fait tout de suite, Rabbi Meir Omer, Afashochet Shamemori Tzibour, pas tout. Rabbi Meir, on va le voir, après on va le plus tenter de le traduire dans les mots, mais Rabbi Meir, à la fin, il va nous dire, ben, mettre qu'il est dispensé, parce qu'il est de nouveau, il a la même règle que tout Bidvar Mitzvah, Veosem Mitzvah, pas tout. Mais en tout cas, pour le moment, Rabbi Yoshua, il est d'accord avec Rabbi Eliezer que ce cas-là, on va l'interdire. Et tu vas pas me dire, ah, il est étourdi, il a la mitzvah de faire un korban tamid, il prend n'importe quel animal en guise de tamid, que de toute façon, il fait une mitzvah, tu lui excuses son étourdissement. Pas du tout. On le rend chayav. Alors Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, il vient, il lui dit, Rabbi Yoshua, tu vois bien que toi-même, tu es d'accord. Tu es bidbar mitzvah, veosé mitzvah, il est chayav. Donc, selon le même principe, applique la même règle avec le korban pesach. Tu es bidbar mitzvah, veosé mitzvah, chayav. Ouais. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yoshua, sur ça, Rabbi Yoshua vient, il le rétorque. Il y a une différence fondamentale. Imamantabe, ah, et je voulais traduire le mot, emouretzibour. C'est les korbanot imposés au tzibour. Chez Nehemrou à la tzibour. D'accord? Les korbanot que la Torah a prescrit au tzibour. Donc, Imamantabe, Emouret tzibour, si tu as dit, si tu rapportes le cas des Emouret tzibour, des korbanot qu'il faut apporter en public, tu sais pourquoi? Chez Shelem Kitzba, ils ont une limite bien claire, c'est un korban. Il n'y a pas ici de tout le monde qui fait des korbanot, à la différence du korban Pessah, Tomar, Bekobe Pessah, chez Enlo Kitzba, vas-tu appliquer la même règle à propos du korban Pessah? Chez Enlo Kitzba, qui a aucune limite, t'imagines, vous imaginez les milliers de korbanot qu'il y avait, des millions parfois même, c'était arrivé, comme ce qu'on avait dit. Il y a des milliers de moutons dans la Hazara, et du coup, ça crie de partout, et puis il prend, il a fait un korban, et puis il doit faire un deuxième, il fait un troisième, puis du coup, il a pris un korban de shlamim, il a aussi fait la shrita. Eh, tu vas pas lui en vouloir à lui, alors que là-bas, tout était bien clair. Il y avait un ordre bien défini, bien organisé. Il y avait un corban, on a fait un tirage au sort. Il ne fallait pas se laisser. Il n'y avait pas lieu de se tromper. On va lui reprocher là-bas. Pourquoi tu ne fais pas attention? Ah, d'accord, c'est pour les mots de Tzibour, à la différence du Corban Pessah, où Enlo Kitzba, il n'a pas de limite. Il y en a plein dans la Hazara. Et dans ce cas-là, on pourra lui expliquer qu'il fallait, en plus, vous imaginez, il fallait partir très très vite pour faire les corbanotes. Qu'est-ce que. Il n'y avait pas le temps de trop réfléchir non plus. D'accord? Ça, c'est la rétorque de Rabbi Yehoshua. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir vient et lui dit, attention, Afashochet Lechem Emoret Tzibour, pas tout. Vous discutez là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à propos des Emoret Tzibour, de celui qui s'est trompé avec, par exemple, on dit le Korban Tamid, le Moussafim de la fête. Sachez que moi, je pense qu'il doit être pas tout même là-bas, selon le même principe. Toé, Bidvar, Mitzvah, Veosé, Mitzvah, pas tout. La halakha est établie comme Rabbi Yehoshua, que pour les Emoret Tzibour, les Korbanot du Tzibour, on sera Chayav. Parce qu'avait, même si tu es toi, Bidvar Mitzvah, Veosé Mitzvah, n'avait pas lieu de s'émouvoir et perdre la tête complètement. Par contre, pour le Korban Pessah, il a l'excuse. Et il sera dispensé du Korban Khatat, parce que, d'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Vesela.